La question que je me pose aujourd'hui, c'est à travers quoi est-ce que les lasers des beacons peuvent passer? Bah bon, déjà on sait que ça passe pas à travers un bloc. Mais par exemple, est-ce que ça peut passer à travers de l'eau? Ok, intéressant, ça a l'air de marcher. Alors, vas-y, on va essayer la lave aussi, je pense que ça devrait marcher. Ok, ça marche. Un portail du Nether, pas trop possible à faire en survie, mais intéressant. Le portail de laine, par contre, c'est assez stylé. En fait, j'ai l'impression qu'on peut passer à travers tous les blocs de la section décoration. Redstone, rails, potions, genre les lits, les enclumes, les chaudrons, il y a tout qui marche. Pour le coup, ça passe à travers le vert, mais pas le vert teinté. D'ailleurs, on peut cumuler les vitres teintées pour pouvoir faire des couleurs différentes. Je crois qu'il y a plusieurs millions de teintes possibles. Mais du coup, logiquement, si je mets toutes les couleurs primaires, ça donne du blanc. Non, il y a un problème là, Mojang. Ça, c'est pas du blanc, vous m'expliquez? Et si je mets carrément toutes les couleurs, qu'est-ce qui se passe? Ok, ça marche pas non plus, c'est pas logique ça. En gros, la couleur qui est prise en compte, c'est la dernière qui est juste légèrement modifiée. Mojang, réglez ça! Abonnez-vous!